L'élément capital est le fait que quand ils partent poser un collier sur un lion, ils ressentent la même sorte d'excitation que quand ils partent pour une olamayo, une chasse au lion. Ils sont très excités, ils traquent le lion pendant des jours jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Ils recherchent des appâts, ils les posent, ils préparent les pièges, puis ils attendent, observent. Une fois le lion endormi, il reste auprès de lui. Et au lieu de prendre son nom, ce sont eux qui vont donner un nom au lion. Alors tout le monde sait dans la communauté qui a donné un nom au lion. Ils peuvent le toucher, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils peuvent le faire alors qu'il est vivant. Ils peuvent sentir les battements de son cœur. Jamais ils n'auraient pensé pouvoir côtoyer de si près un lion encore en vie. La perception de Luby a changé. Le lion n'est plus l'ennemi à abattre, mais un animal proche, digne de soins et d'attention à l'image de ceux que les Maasai prodiguent à leur bétail. That means it's good luck.